Ami BMBP ou ami de la décroissance heureuse, ou alors ami qui rêve ton évolution. Bonjour. On se retrouve pour un petit retour sur ce qui s'est passé cette année au niveau de la récolte et de ces plantes que l'on a découvertes. S'il y a vraiment quatre produits que vous pouvez faire facilement à la maison, partout quasiment dans vos régions, et qui sont vraiment garantis efficaces pour les avoir utilisés et testés, c'est bien cela. Alors, la palme d'or revient bien sûr à l'arnica du pauvre, c'est-à-dire l'arnica de pâquerette. Là, septembre-octobre, il va y avoir de nouveau des pâquerettes, parce que les pâquerettes, ça pousse au printemps et à l'automne. Faites le plein, les amis, faites le plein avec la technique, comme vous avez vu dans une précédente vidéo, parce que, bon, juste pour vous dire en passant, on est quand même à plus de 800 vidéos maintenant partagées pour cette décroissance heureuse. Je pense qu'on commence à être pas mal. Chaque année, je me dis, oh, est-ce que je vais bien pouvoir encore leur proposer? Mais en fait, chaque année, il y a tellement de choses encore à partager. C'est génial. Trêve de blabla. Donc, il y en a un, palme d'or, c'est ça. Moi, j'ai eu mon pied qui a heurté un gros, gros caillou, enfin, un truc. Mon petit orteil, je ne vous dis pas l'état, il est passé par des couleurs pas naturellement naturelles, si. C'est comme la nature qui soit violée, mais ça fait mal. Au bout de 2 jours, j'avais plus, pour témoin mon fils, on aurait dû prendre en photo avant après, parce que là, c'est un truc de fou. Et j'ai l'ami Sandrine, à qui je fais des gros bisous, hein, que vous connaissez un petit peu sur la chaîne, qui a eu la même expérience. Elle s'est cognée le pied, elle s'est mis l'arnica, pâquerette, et pareil. Terminé. C'est vraiment génial. Ma fille aussi. Enfin bref. Beaucoup d'exemples comme ça. Essayez, testez, c'est l'adopter. Faites ça. Vous verrez. Ça sera un régal. Alors, la deuxième chose qui ici est vraiment super méga importante, c'est le baume plantain ou l'huile de plantain. Je l'ai fait aussi en huile dans les petits roll-up d'eau que je récupère. Distribué à tout le monde. Alors là, pareil. Hein, moi, je vous dis que ça, à 7. On se régale avec ça parce que piqûre d'insectes, et puis Dieu sait s'il y a des moustiquos qui piquent. Et ça calme, ça enlève, c'est vraiment super génial. Donc pareil, vous avez la recette, le baume plantain, c'est encore le moment de le récolter. Je vous rappelle que le plantain se récolte, lui, du printemps à l'hiver. Hein. Il n'y a que vraiment quand il gèle très fort ou qu'il neige qu'il disparaît, sinon on l'a tout le temps. Donc là, d'ailleurs, je suis en train d'en refaire parce que là, j'en ai refait toute l'année. Plantain lancéolé, toujours. Hein. Vous voyez, il y en a encore qui m'asservent. Alors, toujours une petite étiquette. Voilà, je sais que je l'ai fait le 26 août et que c'est dans 3 semaines. Toujours en solarisation. L'origan. Alors, l'origan, super génial pour les torticolis, les douleurs musculaires. Donc, vous pouvez aussi le prendre en infusion, bien sûr, mais alors là, on parle vraiment des petites préparations pharmaceutiques de la maison, hein, les petits soins d'antan. C'est génial. Et puis, la petite dernière, hein, qu'on trouve peut-être pas dans toutes les régions, mais si, je pense à toutes les régions, on la trouve quand même aussi, bien sûr. Bon, celle que je vais dire, j'utilise la moins, parce que moi, je me préserve du soleil, c'est. Bien sûr, l'huile de millepertuis. Alors, l'huile de millepertuis, elle est bonne aussi, enfin, apparemment, pour les douleurs musculaires, etc. Donc, c'est à tester. Mais par contre, pour les coups de soleil, c'est génial. Donc, voilà, c'est la petite dernière. Côté récolte, ben, on continue à récolter hein, en septembre. Donc, là, j'ai encore des pousses de ronces. On ramasse, donc, en ce moment, on va commencer. Les murs, bon, cette année c'est encore un peu sec, hein. C'est un peu comme le jardin, c'est un peu la cata. Donc, pousses de mur que je vais faire sécher pour mes tisanes de l'hiver. Le thym, bien sûr, qui va être très bien pour les rhumes ou les petites choses pour cet hiver. L'origan, hein, toujours pareil, c'est pareil, elle a plein de vertus. Alors, l'artémisia, là je vous en ai mis juste une branche parce que j'en ai un gros gros paquet. L'artémisia vulgaris. Comme vous avez vu dans celle de la semaine dernière, hein. C'est tout nouveau l'artémisia. J'ai pas encore trouvé la nua, mais je ne désespère pas. Et alors, bien sûr, pour les soupes, l'ortie. Alors l'ortie, vous prenez que les sommités dans des endroits vraiment sains. Et puis regardez, dès que ça sèche, ça pique plus. Et ça va être super bon, super génial pour les soupes, les amis.
peut-être que ça a aussi d'autres vertus, mais moi j'adore en soupe d'ortie. Puis comme c'est un peu compliqué à couper les petits bouts, bon, hein, voilà. Donc prenez soin de vous, avec toutes ces bonnes choses que vous offre la nature, c'est encore le moment des récoltes. Alors allez-y les amis, bonne rentrée de récolte. Et c'est sur des jolies fleurs qui sont apparues au jardin. Parce qu'en fait, bon, mon jardin, ça pousse mieux. Quand ? Tu as aimé ? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt. Bonsoir.